Donc on va essayer. Juste regarder. Alors, une chose est sûre, que je me trouve dans le Marais ou dans le 9-1, je suis moi-même. Je suis tel que vous me voyez aujourd'hui. Je ne suis pas comédien, moi. Je ne joue pas la comédie. Je suis acteur, oui, mais acteur de ma vie. Il y en a qui viennent ici, qui, eux, c'est complètement une transformation. C'est, on passe du noir au blanc. C'est-à-dire que tout à l'heure, je suis sorti du métro, il y en a qui font la même chose. Ils viennent en métro avec leur sac. Ils viennent de la banlieue habillant sur vêtements ou en tenue racaille. Et dès qu'ils ont traversé le Marais, on ne les reconnaît plus. C'est plus les mêmes. Ils s'habillent différemment, ils démarchent différemment, ils regardent les gens différemment. Ça fait qu'effectivement, ils ont des comportements extrêmes. C'est-à-dire qu'on veut vivre au maximum sur la courte durée, puisqu'on ne reste pas longtemps dans le Marais. Il faut retourner dans la banlieue. Le Marais, c'est la vie des homos. Ici, c'est la vie de tout le monde, sauf celle des homos. Avec les choses qui se passent et tout, pour le moment, je suis obligée de fuir mon quartier et je ne me vois pas évoluer avec mon ami dans la vie de tous les jours ici. Je ne me vois pas... Parce que j'ai besoin... On n'a pas besoin que de se retrouver chez soi, à être toutes les deux. On a besoin d'être dans la rue, de faire vivre notre amour tous les jours, partout. Le Marais, c'est pas un truc dans lequel j'irais tout le temps, parce que on n'a pas besoin de rester non plus qu'entre homosexuels. Je pense qu'on a besoin, justement, pour faire évoluer la société, d'être avec tout le monde et pas se renfermer entre nous, pour éviter de faire le monde gay, le monde hétéro. On est tous dans le même monde. Moi, je crois que je serais homophobe, j'irais dans le Marais, ça serait ma plus grande joie. Parce que tout ce qu'on peut dire sur les homos, justement, que c'est des consommateurs de sexe uniquement, ben, en fait, j'aurais raison. Moi, je crois que, justement, faut pas se mentir, l'homophobie est aussi véhiculée par ce que nous, on véhicule. Moi, quand, justement, j'ai connu tout ce milieu-là, j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Pourquoi ? Ben, parce que je me demandais qui j'étais. C'est-à-dire que le milieu hétéro ne me convenait pas de par certaines attirances. Et puis le milieu homo ne me convenait pas parce que, justement, moi, la consommation continue du sexe, ça me dit trop rien. Enfin, peut-être un petit peu trop fleur bleue. This is your life, kid.